Je suis Jupiter et tu regardes Rimshot. Ich bin ein Berliner, the world is my land. Ich bin ein Kongolese, the world is my land. Ich bin the world is my land. Ich hab euch wenig gefunden. In weißen Sie zwei, nur mit neutral, die deutsche Demokratische Republik. Yeah. Und ich will auch sagen, weil ich hab da gesehen, immer ein Thrasher, die kann ich sagen, in der Mutter, Mama, Mama, guck mal die Neger, ja, ich bin Neger, aber du bist, hey, Baby, Kartoffel! J'ai vécu à Berlin Est. Les petits blancs qui voyaient passer disaient à sa maman, 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 pour ma dit nègre. Ya, je suis nègre. Ich bin ein Berliner. The what? The what? The what? The world is my land. Deutschland is my land. Mettez-vous debout, les gars. Congo is my land. Mettez-vous debout, ça va chauffer. Frankreich is my land. Foutez les chaises là. Plus la musique, c'est plutôt la musique qui m'a pris, qui m'a happé. Parce que avec ma grand-mère, c'est vraiment une très longue histoire. Je me suis retrouvé au village, comme ma grand-mère était guérisseuse. Je crois que c'est par elle qui m'a transmis ce métier. Voilà. Et en plus, lorsque je me suis retrouvé en Allemagne, j'ai commencé à écouter les James Brown, les Jackson 5. Et enfin, à cette époque-là, vers les années 70, c'était l'Europe occidentale, c'était la plate tournante du monde. C'est comme ça que j'ai découvert la musique. Une fois rentré chez moi au Congo vers les années 80, et ma grand-mère, toujours ma grand-mère, la guérisseuse, m'avait laissé un tam-tam expressement dans ma chambre. J'ai commencé à taper et c'est comme ça que c'est parti. Et en fait, je me suis aussi documenté sur le Congo, sur la musique traditionnelle du Congo. Et j'ai senti que tout dont j'écoutais à l'Occident, donc toutes les sons que j'écoutais, ça se trouve chez moi, dans la musique traditionnelle de chez moi, mais c'était à l'état brut. Et je me suis dit, ah, ces gens-là, ils nous ont piqué notre musique. Voilà, et je me suis dit d'essayer un peu de revaloriser cette musique et de la donner une dimension plus internationale et de montrer à la face du monde la diversité musicale que regorge notre pays au lieu qu'on nous parle que seulement de la rumba. Ich kann mal rennen. Na tamburi, mi tambura, tambura. Il est temps pour moi de rencontrer mes ancêtres. Pour que ma famille en Afrique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est?
Mishka, Sprague. Natabo libi, tambola, tambola, namoko. Il est temps pour moi de raconter mes ancêtres. Kouke ma famille in Africa. Kouke my forefather in Africa. Kouke my forefather in Africa. Yes, vous avez papa. Enfilagé. À mon enfance, quand mon père était diplomate, que je commençais à faire, mon père ne pouvait pas accepter que je fasse la musique comme tout père en Afrique. Parce qu'en Afrique, quand tu commences à faire la musique, c'est considéré comme c'était un métier de voyou, quoi. Et effectivement, moi, je me suis étonné parce que j'étais un peu, j'avais la tête qui tournait un peu bien et je voulais être comme mon père, diplomate, avec des cravates, être un bureaucrate. Et je ne sais pas comment je me suis nagé dans l'autre monde. Et c'est le destin. Donc je dirais que mon père n'a pas voulu, mais et puis j'ai quitté la maison où j'ai fait l'enfant de la rue parce que mon père me voulait me renvoyer en Europe, continuer les études. Et moi j'ai dit non, je ne vais pas aller en Europe, je préfère plutôt aller dans la rue. Et c'est comme ça que je suis parti dans la rue, où j'ai dormi dans des maisons inachevées, ou soit j'ai cherché des endroits où il y a deuil. C'est pour écouter un peu ce qui se passe à travers la musique. Parce que, étant donné que notre pays a plus de 450 ethnies et chaque ethnie a une sous-ethnie, étant donné aussi que la Kinshasa, c'est la capitale du Congo et que tous les ethnies se retrouvent là, donc j'avais la possibilité de voyager à travers le Congo à partir de tous ces deuils-là qui s'est pointé devant moi. Et pratiquement pendant 2 ans, c'était pour moi mon université, quoi, mon expérience. Parce que souvent, s'il y a deuil chez nous, on reste pratiquement une semaine comme ça, en train de pleurer le mort. Et comme ça, il y a le tam-tam qui se joue toute la nuit, tous les soirs, il y a le tam-tam. Et moi, j'ai joué. J'étais célèbre, j'étais comme la vedette principale dans ces deuils-là. Et voilà, c'est pour ça que mon père n'a pas voulu que je fasse ça, parce que pour lui, c'était la honte. Mais après des années, quand mon père a su, et a compris que c'était mon travail, c'était mon destin, il a dit, mea culpa, si je savais. Yeah.
que le funk, le jazz, la rumba, bossa nova, toute musique est venue du Congo. Et je m'explique. Et à partir de l'esclavage, on a pris les esclaves au nord du Congo. Ils sont partis au nord des États, au nord, en fait, aux États-Unis. C'est eux qui ont amené le jazz, funk, blues et rock. Et les esclaves qui sont partis en Afrique, en Amérique du Sud, qu'on appelle latine, c'est eux qui ont amené la rumba, bossa nova, bolero, pachanga. Voilà, donc je dirais, c'est comme ça que toute musique est partie et ça s'est développé. Et nous, on a presque perdu nos racines. Et c'est comme ça, après des années, moi, j'ai boulé, j'ai dit non, il faut réévaluer cette musique, ça nous appartient. Cette diversité, c'est à nous, cette musique. Mon pays, le Congo, c'est la misère du monde. Ah, j'ai dit non. Depuis que j'ai commencé à tourner, la misère du monde, ce n'est pas mon pays. Plutôt, dans notre pays, il y a un problème de mentalité où il y a eu lavage de cerveau. Après l'indépendance, il y a eu lavage de cerveau. Mais aujourd'hui, là, je crois que nous sommes une autre génération, une autre jeunesse qui comprend les choses autrement. Je crois qu'on s'est bien réveillé. Avec même le vol de Boli, là, qui est passé au théâtre de Châtelet, c'était le jour qu'on a récupéré tout ce qu'on nous a pris par les colonisateurs. Donc nous avons repris nos âmes.
la culture du Congo, c'est important. Je dirais que vous et moi, nous avons la même culture, nous avons les mêmes ancêtres lointains communs. Donc c'est la culture, c'est pour nous tous, mais sauf que et après un temps, les gens sont tellement devenus égoïstes, c'est ça qui se perd, parce que la vraie culture, c'est avoir le bon sens, c'est-à-dire être dans la profondeur infinie. Et être dans la profondeur infinie, c'est nager comme le vent et emballer tout quoi. D'abord, de deux, quelqu'un qui vient vraiment expliquer à la face du monde la diversité culturelle, musicale qui est dans mon pays, hein, qui est dans mon pays, qui est inexploitée, hein, qui est infinie même. Dans mes chansons, je chante tout ce qui passe, tout ce qui se passe sur cette terre des hommes, que ce soit politique, que ce soit amour, que ce soit injustice, que ce soit tout. Mais le messager, il est infini. Je dois parler de tout ce qui vit. Voilà, je suis un messager de tous les messages, pas que politique. Bakunda Hulu, Bafi Tantaka, Iyo Balango, Mato. Bakunda Hulu, Bafi Tantaka. Iyo balango o mato. Balanga kyoto ki mabau mau 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 liyo.
Palanga kyoto ki mama utika la kinde tekeleke angonga e. Palanga kyoto ki mama utika la kinde tekeleke ango na e. Quelque chose de nouveau parce que j'ai fait plusieurs featuring avec des gens en live par rapport à d'autres quoi. Où j'étais avec Anatijou, Barcelona D, il y avait Roger, il y avait Maiwai, ainsi de suite. Et pour moi, c'est l'album de la démocratie que j'ai toujours, où j'ai donné la voix à tout le monde, où j'ai ouvert la porte à tout le monde d'ajouter un plus, de mettre leurs empreintes. Parce que souvent, quand je faisais mes albums, j'étais entre le marteau et l'enclume. Je faisais tout, je voulais être moi dans tout. Mais cette fois-ci, je me suis dit, non, je laisse, j'ouvre la porte, comme ça je vais un peu respirer. La différence avec l'album précédent, ça, c'est vraiment à écouter, quoi. Et puis, c'est universel, avec les gens qu'on a la même vie sociale de l'Amérique latine, quoi. Le Brésil, le Mexique, le Chili, nous avons presque le même problème social. Et c'était pour moi, c'était quelque chose, bam, avec des gens qui sont nos frères, où on les avait arrachés par la force pour venir le jeter de l'autre côté. Et bien, on s'est retrouvés. Thank you.
Siècle actuel, nous devons nous unir. Il y a pas de, les frontières, on s'en fout, les couleurs, on s'en fout. Le problème, c'est pour nous, c'est le problème des têtes. On doit être unis pour bâtir
un monde meilleur pour que nos générations, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, puissent en bénéficier. Mais attention, ne continuez toujours pas de couper la forêt. Parce que si vous continuez à couper la forêt va nous bouffer. Ça, je vous préviens. Avec tout ce qui se passe, les changements climatiques, elle va tous vous manger. Thank you.
ma indela wena oye Ela kwelinga motema iye Solombo meo kuye 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 poison Solombo meo ma indela wena oye Ela kwelinga motema iye